Et fin de la micro-coupure, on est reparti tout de suite. Let's go. Alors j'ai un passage à droite, un passage à gauche. On va aller à droite. Je peux poser un recrouge là-dedans. Il y a un trou. Trouver le roc bleu. Alors je sais qu'il y a un trou. J'ai même pu récupérer le roc rouge, donc apparemment je résous l'énigme tranquillement. Sans le faire exprès. Tout va bien. À gauche. À gauche. Échelle. En bas. Fond d'arbre. Gros arbre. Quoi? Un très très gros arbre. Ça m'a un peu à celui de la tempête. La forme a l'air d'y avoir un village. La terre sacrée. Suivez les racines. Je suis plus les racines, ça tremble. Mais quoi? Ça doit être l'estomac de Quina. Ah, c'est sûr. C'est un boss. Je me dis merde, c'est combat aléatoire sur. Oula! On peut pas le manger. Vas-y, plus! Et on va invoquer Ramu. C'est gargantua. Un petit coup de soin pour l'instant. Ça sert pas à grand chose. Hein. Un gros 760, ça fait du bien. Je suis Philipsy. 900, hein. Problème. Ça se prend beaucoup de dégâts de foudre, je trouve. J'ai volé un René, très bien. Et la hauteur récup qui fait gagner 44 PV, ça fait du bien aussi. Kaiko est déjà un peu cheaté quand même. Il y a un double Ramu dans sa gueule. Oh le punch! Et un petit coup de poing sur elle-même. Oh, ça devrait bien se passer. C'est un combat plutôt tranquille là. Que la foot ça fait des dégâts quand même. T'auras un peu de tout dans la gueule. Hein. Oh le 1080. Séisme alors Kaiko n'a pas envoyé de soin. Faire un double soin. Un soin d'égoïste. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de PV. On met vite normalement un boss comme ça. Mais c'est pas très gentil quand même de m'avoir enlevé un gros bourrin. Bon là j'ai trop de soins là. On attaque. Hein. Soin max. Voilà autre chose. 2100 qui s'est soigné. Ok. Ça c'est pas gentil. Il y a une strat dessus. Ah non, faut prier que je peux le mettre sous silence quoi. Hip hop. Les somnies, mais c'est pas bon. Poison. C'est nié. J'ai pas pour le silence, juste pour fermer sa gueule.
peut essayer de le faire dormir, mais ça sert pas à grand chose. Ah, excuse-moi, hein. Je pensais que je vais devoir lui niquer tout sa mana, du coup. Pas grand chose. T'as pas un truc de magie. Un paradoxe, un elixir, c'est réglé. Combat qui paraissait pourtant trop facile. Je suis en train de donner des coups de poing à des gamins. Je dis ça, je dis rien. C'est bien une invoque, hein. Uppercut 928. Ça fait une attaque Gildart. Ah non, c'est Eiko qu'il fallait des compétences et trésors faire. Il y a un Exir et une tente. Le géant vert apparaît des fois. Il s'en va très vite d'habitude. Eiko, je pensais pas que tu t'y prendrais aussi bien. Ouais, si tu le dis. Et ma maison est pas par ici. Par là, c'est l'IFA. Non, ma maison, c'est par ici. Je regardais de l'autre côté, c'est tout. L'IFA ? Ce serait pas la Terre Sacrée ? Léna l'appelle comme ça. Pour nous, c'est l'IFA, depuis toujours. L'IFA ? Bon, on y va ? Non. J'ai fait un robe jaune, je suis très content. Alors, est-ce que je vais provoquer la merde ? Je pense que oui. Non, non, par là, c'était pas... Oups. Oh, quel con! Ok, la suite du continent par là. Ok. Ok. Demi-tour! Baston! Là, on va penser surtout à se soigner et infliger quelques dégâts. On va pas gâcher trop de mana. On a dézingué le boss. Hein. Même s'il s'est soigné, ça a fait un petit coup de peur, mais... Voilà, ils sont deux. Deux vilains pas beaux. Ouais, vas-y. Ouh, la transe. Ouh, la transe. C'est pas le moment de foirer. Tout tordu. Un petit coup de poing. Contre-attaque. Raté. Les empreintes. Arrête! Laisse-moi taper! Dis donc! Oh, oh le 3003 de dégâts! Non, la transe, c'est trop fort. Level up. 1700 de thunes. Un peu moi, j'ai deux healeuses quand même dans le groupe. Par contre, ça soigne pas si fort que ça. Hein. On reprend. On va re-sauvegarder. On n'a pas de temps, ça sert à rien. $1700 quand même.
Ah, j'ai bien fait d'XP quand même. Donc au final, j'ai un perso qui n'est pas encore opti. Mais il y a déjà les bases, ça qui est cool. Allez, on met le roc jaune là. Faut que la merde, je le sens mal. Il y a un trou pour le roc. Eh, c'est bon, j'ai mis le roc rouge et le roc jaune là. J'en ai pas vu d'autres. J'ai raté une statue. On a une statue quelque part. Ah, pas que je sache. Hein. Bah, va te faire foutre. Ça se trouve, attendez, ça se trouve, le roc. Non, regardez, le roc rouge, il... Non, ça, c'est le roc jaune. Abruti! Non, j'avais quitté la zone, mais... Non. Je vérifierai plus tard. Bon, let's go. Tant pis. Ouais, il y a bien d'autres zones. Coffre! De l'éther. Et un roc vert. On va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça? Ouvre. Passe du Condéa. Passe de Condéa. C'est pas planté, hein, on est d'accord que c'est par là qu'elle m'a dit. Demi-tour. Mais je veux quand même savoir. Je suis trop curieux, je suis désolé. De toute façon, je dois XP Echo donc. Et plus j'avance dans ce jeu, moins j'avance en fait. Monte les racines! Merci! Bah non, c'est à ma gauche! Je comprends plus. C'est plus ce qu'elle a dit, j'écoute pas les petites filles moi. Triple sauvegarde. J'ai peur que je me fasse troller en fait. Pas besoin de temps. Roc vert. Encore. Ouais, il y a bien cette chiant. Un gros contre-temps en fait. Baston. En plus, c'est long à charger les attaques. Coup critique dans ma gueule. Pas gentil. Oh, le 308 de dégâts. 110 à coup de flûte. Hein. Finish him. Ah, sac à PV quand même. Gros sac à PV. Trois attaques. Ah, fait pas de dégâts quand même. Oh, truc gros 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 sac à PV là, ça devient lourd. Bon, ça va être lourd hein.
Ah, c'est une zone... Faut la XP un peu, quand même. De la thune. Il faut surtout que je fasse gaffe à Zidane. Son stuff à lui, surtout. À 35-150, on est encore large. J'espère que je rencontrerai des ennemis qui font gagner 20 points de compétence d'un coup. Bon, je vais jeter un coup d'œil à gauche. Encore par curiosité. Descends ! C'est bizarre, de l'autre côté, il n'y a rien. De ce côté-là. Pas bien là, on voit pas bien là, je m'en fous de la tronche de Zidane. Montre-moi. Bien, la terre sacrée elle est là en fait. Et là il y a une toute petite forêt. J'avais dit let's go, pas baston. Et là, il y a 50 pampas en fait à cet endroit. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Par derrière, très bien. On va les brasier. Hein. On va invoquer. Ça devrait être bon. Moi, c'est arrivé aux terres sacrées, je vais pouvoir dépenser un peu de vie. Assez simple à tuer. N'était pas la peine. Uppercut. Oh, cette attaque. Frappé. Ça va, au moins la récup, enfin l'auto-récup comme ça, c'est... Alors avec tous les persos l'aient, hein. Attaque, tout ça, tout ça. Je sais plus trop où j'en suis au niveau des stops de tous les persos. Une barrière. On a un problème. Y aller. Je vais prendre aucune fleur. Ok. Bon, on a un souci, je peux pas aller là-haut. Il manque un truc. Voir de l'autre côté. Si c'est à cause de la statue, je pète un plomb. Il va falloir que je commence à utiliser des tentes. Ou alors je traverse toute la map et je dors chez les nains avec la voleuse. Ah là, il est tout seul, ça va être bon. Petit coup de brasier, c'est réglé. PV quand même. Contre-attaque 138. Ouais, ça perd que des contre-attaques en fait. Raté. Ah, voilà, tu contre-attaques quand même. Ouais. On va expliquer pourquoi tu t'acharnes que seulement sur les gamins. Hein. Pas gentil, il y a des adultes aussi. Hein. Empreinte. Voilà, sur dagger. Ta gueule.
Level up de Bibi. Vite. Non, j'appuie sur oh. Je me suis fait arnaquer. Encore un. Oh là, je brasais tout de suite. C'est assez long à passer ces trucs-là. Attaque, c'est pas très grave. Allez, là, on a quand même perdu la moitié de ses PV là-dessus. Hein. Vas-y. Coup critique. Coup de PV quand même. Et un troll. On va passer par chez les nains, on va aller faire une petite couchette. Hein. 11 000 de thunes, ça se fait. On regardera à gauche. Hein. On discute le problème. Ah, carrément! Et donc. Le radin de service pour 100 guilds et prêt à prendre des risques. Merde. Non. Ah. Pas dû utiliser le soin. Si on a deux, je suis dans la merde. Il est pas facile non plus. Ok, on va faire du brasier. Du soin qui va du soin plus même. La gars, on va envoyer un petit ramu dans sa gueule. C'est bien Jidan. J'ai beaucoup de plaisir. Attention, le soin plus. Il soigne pas mal, 500 seulement. Par contre, il est sur un 500 seulement. Et là, c'est la mort de l'ennemi, là. On va pas faire grand chose, hein. Je vais tomber sur la gueule. Donc, la gueule n'a plus beaucoup de PV, il faut absolument que j'aille à la couchette des nains. Sinon, c'est la tente. La prudence. D'accord, je crois savoir, il doit y avoir un roc un peu plus loin. Oh oui. What the... Non. Oh, j'ai eu peur. Salut. Non, on n'a pas de voleuse avec nous, tout va bien. La vie est belle. Le dodo. Ah, les radins. Ici c'est sans guild, mais chez les mages noirs c'est gratuit. Ok, on y retourne. Au niveau des escaliers, y a rien. Oh. D'accord, ça vient de là, putain. C'est débile.
peut pas passer comme ça, d'accord. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin, nickel. Okay. Alors, on a de ça. Remède. Là, techniquement, il y a une statue là-haut. L'euro bleu. Il n'y a rien d'autre. Ah, et là commence à arriver. Au bout d'une heure et demie. Mais ça devrait aller. Ils sont tellement puissants de faire fuir des insectes. Donc là, techniquement... Techniquement... Déjà, mon niveau est très élevé, je trouve. Mes compétences sont pas encore bonnes. Bonnes, pardon, j'ai dit. Dans le sens où... Toujours pas... Non, mais bon... Du coup, je vais pouvoir remettre la boucle pure. Parce que... Il y a pas un truc où je peux augmenter la force. Si, là. Je peux rester à 32, gagner de la magie et du psy. Je gagne pas mal d'esquives magiques, hein. La boucle pure, c'est très bien. Encore celui-là. Pour l'instant. Ah, s'il a fait l'arme, c'est bon. Donc, du coup, je crois que j'ai perdu le stuff qui lui manque. Oh, bah, ça y est, elle va pas tarder. Putain, un combat prêt. Ok. C'est bon, j'ai tous les trucs. Il y a quelque chose au fond. La nulanite. Tu es un mauvais. Non, c'est lunalite, pardon. Je crois que la lunalite est un objet très très utile, n'est-ce pas? Juste là. Restaure une partie des HP, inutilisable lors des combats. C'est un accessoire. Restaure des PV. Blindage Best Killer. Là, on a déjà. Déjà. Elle a rien du tout. Donc... Ok. Mais ça se garde, moi qui voulais récup pour tous mes persos, bah voilà. Donc, du coup, on a un autre problème à régler. Et que je peux pas aller dans les terres sacrées, je suis bloqué, donc... Donc on va aller voir à droite, hein. Okay, on va voir ce qu'il y a là-bas. C'est pas grave. Tout ce que j'ai perdu de ma sauvegarde, c'est d'aller retourner récupérer le bidule, le lunalite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici qui fait que je pourrais peut-être entrer dans les terres sacrées? Une montagne sacrée? Une forêt sacrée? Rien du tout. Que je serais pas en territoire beaucoup trop élevé pour moi d'un seul coup. Les mobs ils ont 3000 PV. À compter que des géants. Ah non, ça va, c'est. Taper, c'est fini. Alors que Jidan a atteint les 100 de mana, je me rends compte.
Et mais Daga, Bibi et Ico sont en train de rattraper Quina en termes de PV, ce qui est pas normal. On voit que la récup fait pas tout, hein. 46 PV c'est pas beaucoup. Araka est en train d'envoyer un message qui est pas très rassurant. Ouais, plein de trucs. On va pouvoir équiper Ico un peu mieux. Ça va, ça fait XP, c'est cool. Alors, la place du chapeau pointu. Hop, la nuit blanche. Beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'esquive. Allez, le petit bandana. Alors, on a là. Du mitrilet pour plus de psy, plus d'esquive. Elle est trop forte. Beaucoup de def. Hein. Le blindage, autopotion. Autopotion, par contre, c'est. Encore plus de psy, plus de def. Ok. Cette montagne avait une tête qui me. Ouais, voilà, c'est. Dylan! C'est banane salée! Le village des invoqueurs! Et c'est chez moi! Le village des invoqueurs. C'est une ruine. C'est ici. Daga. Y'a-t-il se passer quelque chose? Ce sont plus des ruines. Le village des invoqueurs disparu. Rikubo! Mocha! Moko! Shimomo! Momnol! Morrison! Moog est pas là! Assez! Faites manger pour de vrai! Moog! C'est celui à pompon jaune! Shibo! Un Kumomo! Non, je suis pas en colère! Mais faut me laisser. Mais il faut plus me laisser toute seule! T'as bien compris? Oh, Didane, tu viens? En toute amitié, oui. Pour info. Ben, c'est compris, hein? Une confiance. Moog, viens avec moi! Viens! Viens, à ta place! Kuba! Le petit Moog est entré dans ta poche. C'est Moog! Elle est toujours avec moi! Kuba! Dylan, viens! Assieds-toi là! Alors que j'ai juste répondu en toute amitié, il a activé le Prime! Ça fait déjà 7 mois, franchement. Ça passe vite le temps. Hein. Un grand merci à Araka pour l'abo. Abo Prime, par contre, ça change pas. Hein. C'est l'abonnement tout court qui a baissé ses tarifs. D'un petit euro. Allez, reprise. D'accord. Tu sais quoi? Tu m'intéresses! Alors? Moi aussi, hein. J'ai plein de questions à te poser. C'est vrai! Par exemple, les chimères. Tu viens d'où? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Non, je voulais... C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ta chimère préférée? C'est quoi ton moque préféré? C'est qui ta fille préférée? C'est Daga.
C'est la première fois que tu vois quelqu'un comme... que je vois quelqu'un comme toi. Vega, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Non, non, hein, je vais bien. T'es sûr? T'as pas de fièvre? Là. Non, c'est pas ça. Tu serais pas jalouse des fois? Pourquoi je le serais-je? Dylan, Vega, vous êtes vraiment que des copains? Parce que des fois, on dirait pas, hein. À vrai dire, c'est compliqué. On n'est pas juste des copains. Ah bon? Vous êtes quoi alors? Des connaissances. C'est la fille que j'ai kidnappée au début. On est juste des amis. Des amis? C'est quoi la différence entre copains et amis? Ouais, c'est ça. Et Bibi aussi est un ami, hein. Bibi? C'est comme moi avec Moog et les autres Moog. C'est à peu près ça. C'est fini, Kubo. Merci, Mocha. J'arrive. Dylan, je vais faire à manger, alors tu restes là, hein. On a encore beaucoup de questions. On reste? On n'a pas le choix, il y a un champ de force qui nous empêche de continuer. Je vous appellerai. Allez pas trop loin. Je crois que je suis un peu fatigué. On vient de dormir il y a 2 minutes. Des états d'âme de Bibi. Je pense que je vais faire une grosse coupure après pour régler le problème de lag parce que ça commence à arriver... violemment. Le 188 m'a dit que je savais que ce que vivre et mourir signifiait vraiment. Mais je sais juste que s'arrêter et mourir, c'est pas pareil. En fait, je comprends pas bien ce que c'est vivre et mourir. C'est comme venir de quelque part et retourner quelque part. Si c'est ça, vivre, d'où je viens, moi? Et où vais-je? Mais je tremble. Qu'est-ce que... il m'arrive? Pas bouger, mais oui. On visite la, le côté tranquille. Un Moog! Vous pouvez pas entrer! On peut pas y aller? Mais on peut en sortir, non? Comment? Kidan, c'est nul ici, Miam! Y'a que des pieds à du sable! J'ai mangé des roses des vents! Mais le sable d'ici n'est pas comestible, Miam. Oula! L'eau est belle, Miam. Elle est pas ouf! Qu'est-ce qu'elle a foutu? T'inquiète pas, le mieux c'est de pas s'occuper d'elle. Hein. Pour une fois que Jidan a une bonne idée, je pense que pour la première fois je vais l'écouter. Les états d'âme de Daga. Le village des invoqueurs. Et je comprends pas pourquoi, parce que dans FF10, il y a le même problème. Parce qu'on dit plutôt invocateur et invocatrice, mais eux, ils aiment bien dire invoqueur et invoqueuse. Alors que si on prend l'anglais, dans FF10, ils disent bien summoners. Donc c'est les invocateurs et invocatrices. Oui, est-ce que c'est une erreur de trad? Ou est-ce que en français, dans juste pour les FF, ça s'appelle invoqueur et invoqueuse? Bon,
On va fermer les yeux, on va dire qu'invoqueur, invoqueuse, c'est juste dans le vocabulaire FF, hein, c'est tout. Mais ça me fait toujours mal de voir ce genre de truc. Hein. Il y a longtemps, j'ai lu quelque chose sur un peuple capable de commander aux chimères. Comme ta mère! Les chimères. Ça ne m'a pas fait plaisir d'apprendre que j'en avais en moi. T'en as toujours un, il s'appelle Ramu. Hein. Mère m'a arrêté pour me les prendre et s'en servir comme arme. J'ai même pensé que je n'avais pas besoin de mes chimères puisque leur puissance aveuglait mère et que Kuja... Oh, je cherchais. Donc je pense à Kujat et je peux le retrouver son nom. Ouais. C'est le méchant. Kuja s'en servait pour ses sinistres dessins. Mais quand on me les a enlevés, j'ai eu l'impression de perdre quelque chose de très important pour moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense à tout cela ici et maintenant? Ce vent, ce paysage, toutes ces pensées qui me viennent à l'esprit, que m'arrive-t-il? On a déjà, on a Bibi, on a Daga qui commence à avoir trop de philo dans la tête. Et en attendant, Jidan, rien à branler. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens intelligent? Vient de me dire qu'on s'en fout de Kuina. Merci Jidan, on l'avait pas remarqué hein. Ah c'est vraiment des ruines tout ça. On dirait que ça a été démoli il y a une dizaine d'années. Ça n'a rien à voir. Mais je me demande ce que Keiko nous prépare. Le spoil. Le jeu se spoil lui-même, très bien. C'est la dame de Miko. Merci pour le ménage, c'est parfait. Maintenant, Jidan peut venir, j'aurai pas honte. Maintenant, c'est pour de vrai. J'ai bien vu que Jidan et Daga sont pas encore vraiment amoureux. Daga est trop bête, elle comprend pas. Si je fais tout bien... comme il faut, je peux me mettre entre eux. Il faut que je fasse bien à manger pour que Jidan en veuille tous les jours. Mais bien sûr, si tout est bon, ça marchera peut-être. Mais si la cuisine d'Eiko n'est pas bonne, c'est l'échec Kubo. C'est l'échec Kubo, pardon. En plus, les réserves sont presque vides. Je sais tout ça. Je veux pas que ça rate. Alors vous allez m'aider, hein? Pardon. Je suis trop, je suis petit Kubo. Aidez-moi! Je vais faire ma spécialité. Un ragoût de pommes de terre. Un ragoût de pommes de terre. Prenez des patates, vous les écrasez, rajoutez des fruits et légumes, de la viande, découpez délicatement. Vous obtenez un ragoût. N'oubliez pas de le cuire, hein, parce que sinon c'est dégueulasse. Ah oui, c'est bon! Le dernier était si fat que j'ai eu mal à la tête. Ah lui, il a même pas mis le mal au bide. C'est moi un ragoût. C'est vrai. Je voulais bien faire autre chose, mais... Une poisson. On le pêche, on le fait griller, c'est bon. Oh, s'y va, le mug. Le poisson grillé. Prenez un poisson, prenez un peu de laitue. Faites le griller au barbecue. Au four. Thermostat 180 pendant 30 minutes histoire de bien enlever la salmonellose du poisson. Il n'existe pas parce que c'est dans le poulet, connard. Et c'est cuit, simple, rapide, efficace. Par contre, je déteste le poisson. Je préfère encore le ragoût de pommes de terre que le poisson. Et si on faisait du chauffleur? Bah alors là, je me casse direct. Oh, bonne idée! Bon, un menu, ragoût de pommes de terre et poisson grillé. Les deux. Alors, qui va aller pêcher? Plouf, plouf! Alors, qui a eu l'idée de... J'ai pas fait attention qui est à gauche, qui est à droite. Que j'aimerais bien que celui qui a eu l'idée de chercher les poiscailles, ben, que ce soit lui. Donc, je pense que c'est bon. Shimono, je compte sur toi!
Un Kubo! Je vais chercher les pommes de terre. Mosha là-haut et Momon en bas, lui il aime bien. Momnol, je compte sur toi! Kubo! Mosha, toi tu restes ici pour m'aider! Kubo! Oh, j'ai tout bon. Est-ce que ça va? Tout le monde à son poste. On y va! Parce que lui, il a la mal à la tête avec le truc, donc ça ne lui plaît pas. L'autre, il a eu l'idée de pêcher, c'est pour ça. Et l'autre, pour les pommes de terre. C'est nickel. Moi, ça m'intéresse, ce genre de compo. Grand-père! Le Mog, il est en train de faire je sais pas quoi. Je veux pas être toute seule. Alors, aide-moi, s'il te plaît. Un Mog tout tremble. Bon, par là, on a... les idées reçues de Queen. En fait, j'ai pas le droit d'aller à gauche, donc je peux aller parler à Dagger. Je ne suis pas tout à fait à l'aise. Bah... c'est une merde, hein. Oui, Bibi. Je peux pas aller là, je peux pas aller... bah, let's go, hein, je pense qu'on est bon. Désolé, mais j'ai plus que ce chemin à prendre. Hein. Bibi ? Qu'est-ce que t'as ? Ça va pas ? Non, non, je réfléchissais un peu, c'est tout. Ah bon ? Tu sais, c'est pas bon de trop réfléchir. Merci, Jidan. Ils deviennent dépressifs. Je peux récupérer Daga aussi, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle va pas bien. Bon, bah, allons voir Echo. Hein. Je vais pas aller chercher Quina. Oula, et oh, il y avait un coffre là. Gagner une tente. Ça, c'est dégueulasse. Mais Echo qui prépare tout, le ménage, le repas, et nous on va dire non, on a trouvé une tente, on va dormir à côté. Sympa le jeu. Un instant, Kubo. Vous devez patienter encore un peu, Echo dit que ce sera bientôt prêt. En attendant, je vais exceptionnellement vous montrer le mur des invocations. Par ici, je vous prie. Oui, les mobs ont 50 000 voix différentes. Ben on va voir. Eh Bibi, on va voir le mur des invocations, non? On va rester encore un peu. D'accord. Les gars! La cuisine de Echo. Elle va prendre un poisson, elle va le badigeonner de sauce de pommes de terre. En fait, on est combien? Y'a Jidan? Et moi? Et j'ai oublié les autres. Ah oui, il y a Bibi, le garçon tout triste. Faut quand même faire à manger pour Daga. Et puis il y a aussi Moog, Moko, Mocha, Chimomo, Momnol, Morrison. Mets une dose d'eau par personne dans la casserole et allume la cuisinière. Je vais faire à manger. Bon. On est combien, Kubo? Alors, il y a moi, Jidan, Bibi, Daga. Et après, il y a 1, 2, 3, 4 Mog, 5 Mog. On est 9. Il y a Quina, ça fait 10. J'ai oublié Quina. Je le redemande. Alors, Jidan, moi, ça fait 4, ouais. Et le nombre de Mog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 10. Plus Quina, ça fait 11. Mais comme Quina mange pour 3. Bon, on va faire. On va faire 10 personnes. Mais je vais me faire avoir par Quina, c'est sûr. Donc, je vais prendre 11 personnes, c'est sûr. Allez, on y va! Je pense à Quina derrière.
Des pommes de terre, des belles citrouilles, et des noix et des amandes. Qu'est-ce qu'on fait du peluche qu'on a trouvé à Condéa? On le met dans la casserole, surtout pas. Non, pas de peluche, ça fera penser à un roi. Ah, merci. Et c'est parti. Un peu de ci, un peu de ça, du sel, du poivre, tralala. Des pommes de terre, des beaux potirons, ronron. Et encore un peu de sel et de poivre. La vache. Et des noix, et des amandes. En fait, t'as trouvé un truc, elle le met dans... J'en ai un. Ça va, c'est des lourds. Ça va. Mocha, surveille la casserole, je vais aider. Mocha, douille pour que ça s'accroche pas. C'est un gros. À trois, on tire de toutes nos forces. Un, deux, trois. J'ai prévu pour 11 personnes. J'ai sauvé Queen. Allez. C'est qui le patron? Alors juste que Quina mange pas pour 3 personnes comme je l'avais dit. Hein. Ce pré-move de champion. J'aurais dû rajouter la peluche du coup. Je crois que c'est ça ma seule erreur. Ah non, je dois aller voir le... Oui. Eh wesh ma gueule, casse-toi. Bah d'accord. Pas très coopératif ce mob. Non, c'était le mob de... Deiko. Il est très fier de garder le mur des invocations. N'accepte pas que Echo ait décidé de laisser les étrangers voir le mur. Il n'a pas l'habitude des étrangers, mais il s'y fera. Les amis d'Echo sont nos amis. Et c'est si terrible. Les invoqueurs gardent le mur des invocations depuis des générations, Kumo. Les invoqueurs. Je vais chercher Daga, elle connaît la magie chimérique. Comment? Là, j'ai dit une grosse connerie. C'est le mur d'Alduin depuis le début. On va aller sur nos Skyrim. Daga, je reviens, je vais juste... Dylan, où tu vas? Je vais sauvegarder. Fais attention. Ouais, je reviens. Hein. J'ai oublié le mog. Merde, on est 12. J'ai oublié notre mog que j'appelle avec la flûte. Non, tu comptes pas, toi. Je vais tout garder. Je suis tout seul. Alors voilà pourquoi j'ai sauvegardé, c'est parce qu'on arrive à peu près à 53 minutes. Et du coup, je vais en profiter pour faire la deuxième coupure et donc faire un redémarrage pour éviter les lags parce que je sens que ça arrive et que ça devient de plus en plus fréquent. Allez, à tout de suite les gens.